19h19. Le plus grand escroc de la bande FM est de retour. Romano Lapince. Oh, il est là. C'est moi. Et j'ai même mon jingle maintenant. Oui. Wow. Yasmine, t'es là? Oui, oui, je suis toujours là. Chantons tous ensemble les conseils pas chers. Attention. Allez. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Super. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est super, Yasmine. On a parlé des galas de vacances. On va t'envoyer le DVD Amazing Spider-Man. Il est pour toi, Yasmine. C'est un petit cadeau du matin. Et puis tu reviens quand tu veux. Bisous, Yasmine. Merci. Bisous à vous tous. Bisous, bisous. Bisous. Ciao. Bisous. Alors, quelle idée as-tu eu grâce aux galères de vacances, puisqu'on en parlait ce matin, Romano? Bah, c'est les pertes de bagages. Les pertes de bagages. Elle a eu des pertes, Yasmine, pendant les vacances. Ah oui, mais au niveau de l'arrière-train. Ça t'a donné donc l'idée de faire les pertes de bagages? J'ai pas les pertes de bagages. Non, mais ça, t'arrives en vacances, on a perdu ton bagage, bon, t'es bien dans la merde, tu vis à poil. Bah, Yasmine, elle était dans la merde aussi. Ah ouais, ça c'est complètement. Ah. Donc ce matin, direction les campings et les hôtels. Oui. Je vais dire que ils m'ont perdu un bagage. Ou qu'on m'a volé dans ma chambre aussi. D'accord, et donc ou dans ma toile de tente. Eh ben, je demande une compensation financière. C'est normal. C'est on normal. Est où là? Allô, dans un hôtel. Allô, l'hôtel. Allô. Oui, bonjour madame, je suis bien à l'hôtel. Oui. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelais. J'ai un petit souci. En fait, je suis venu en vacances chez vous quelques jours là avec ma petite famille. J'ai ma femme, mes enfants. Bonjour. Tout le monde, bonjour. Bonjour madame. L'hôtel était plutôt sympa. Sympa comme tout. Par contre, on nous a perdu un bagage. Et je viens de m'en rendre compte. Compte. Je viens de m'en rendre compte. Oui. Oui, alors comment on pourrait faire? Un petit dédo. Hein? Quel bagage vous avez perdu? Ah ben une valise. Oui, une grosse valise. Ah ben une valise, il y avait beaucoup d'affaires dedans. Oui. De l'électroménager. J'avais mon iPod, mon iPad. Ordinateur. Un ordinateur. Une télé. Une télé. j'avais ma cuisinière et ma machine à laver. Donc, moi, ça. Oh là là, madame. Non, mais on est peut-être allé un peu fort. T'aurais pas dû mettre la cuisinière et la machine à laver dedans. Bah alors, dans un camping. Dans un camping. Dans un camping. Ça vous rappelle les vacances ou ça? L'hôtel, le camping. Ouais. Ah ouais. Eh oui, les bagages, tout ça. Oui, bah pleurez pas non plus. Hein. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est le camping. Le camping à la bonne humeur. Le camping? Non, c'est pas ouvert encore. Ah, c'est pas ouvert. Oh là! J'ouvrais quand, moi, de novembre-décembre? Ça donne envie de venir. C'est là qu'il y aura le plus de monde, j'imagine. Ça va cartonner, ouais. Mais vous êtes encore ouvert, là? Oui, jusqu'au 16, monsieur. Ah, bah ça vous marche. Allez, courage, j'ai plus de 15 jours à tenir. Oui. Bon, dites voir, on est venu dans votre camping, là, cet été. On a passé des bons moments, il y avait une super bonne ambiance. Oui, on s'est éclaté. Des activités à l'anime. Des activités sympas. Par contre, on nous a égaré un bagage. Allô? Écoutez, monsieur, je suis désolé, mais je ne comprends rien de ce que vous dites. Écoutez, vous rappellerez à 8h, s'il vous plaît. Ah bah, là, vas-y. Elle comprendra pas à 8h. Parce qu'à 8h, elle comprend mieux. Ouais, à partir de 8h. À partir de 8h, mais pas avant. Est-ce que vous parlez anglais? Non. Oh, la prochaine fois, tu le fais en anglais ou en espagnol? En anglais. Ouais. Comme elle était sympathique. Ah oui. Ah ouais. Rappelle peut-être la petite dame rapidement, là. Allez, vas-y. Et pendant ce temps, vous vous inscrivez. Si vous voulez gagner votre. Bah, tiens, tu en parlais justement, Romano, là. Votre téléphone. Ouais. Votre iPhone 5S. Ou alors votre Galaxy S5, ou alors votre PS4. Vous pourrez choisir votre cadeau. Il faudra battre Cédric. Vous allez vous mesurer à Cédric. Chose très difficile. Vous allez sur le. C'est un jeu de culture générale. Vous allez sur le 41759 sur l'appli Skyrock. Laissez bien votre numéro. Il y en a un ou une qui sera sélectionné en direct sur Skyrock. En direct dans un instant. Oui, bon, la dame, elle est partie dormir. Comme je suis triste, l'aigri n'est plus joignable. Elle a dit à partir de 8h. Elle est au bout du rouleau, là. Allô? Allô, le camping? Oui, vous êtes au camping du château de Poissouze. Vous pouvez laisser un message à c'est elle qui fait répondre. Sonore, ou envoyer un fax au 05. Un fax. Oui. Un pigeon voyageur. Merci. Merci. Oui, est-ce que vous avez une adresse sur le Minitel, s'il vous plaît? Oui, on aimerait réserver pour notre prochain été. 3615 camping, je sais ah pas. Oui. Ça serait pas camping mal. Sympa. Oui, camping sympa et très moderne en plus. Ah, bien sûr. Allez, vous inscrivez pour Cédric et dans un instant, on joue avec lui, il est 7h24. Le plus grand escroc de la bande FM est de retour. Romano Lapince. Attention. C'est les conseils. Les conseils pas chers.
C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est bien, c'est dans le rythme. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Un soin, c'est les conseils. Les conseils pas chers. Et tu vois, quand tu le fais tout seul et que l'équipe se tait, c'est quand même beaucoup mieux. Non, mais c'est l'équipe qui t'a fait foirer. Et ne quitte pas, Gwenaël, on t'envoie le DVD Amazing Spider-Man. Il est pour toi, on t'envoie ça à la maison et puis tu reviens quand tu veux. Salut Gwen. Salut. Et vivement les prochaines vacances. Un hôtel et un camping. Allez, c'est parti. Allez. Deux chances pour gagner en mano. Un camping déjà. Un camping pour démarrer. T'as perdu tes bagages au camping. Ouais. Et on m'a volé des trucs aussi dedans. Et on t'a volé des trucs dedans. On t'a volé quoi? De l'argent. Ah ouais, du cash, ouais. Du cash. Bon, Manon, en fait, quand il part en vacances, il a une valise, mais il n'y a que du cash à l'intérieur. Si seulement. Si seulement du cash. Bon, du cash, du cash. Là, a priori, le camping a fini sa saison. Ah ouais? Bah là, il décroche pas, ouais. Allô? Ah, allô? Allô? Allô, le camping? Oui. Oui, bonjour, comment allez-vous? Oui. Ça va. Régime. Oui. dites voir, je suis venu en vacances avec ma petite famille, là, durant le mois d'août chez vous, là. Oui. Le camping était charmant, hein. Vous aussi, vous êtes la dame ou le monsieur, vous? Je suis la dame. Ah, vous êtes la dame. Ah, merde. Et dites voir, il m'est arrivé un petit souci, c'est qu'en fait, j'ai une valise qui a disparu pendant mon séjour. Oui. Et je viens de m'en rendre compte, là, parce que j'étais en train de défaire mes bagages, là, avec ma petite famille. Mmh. Alors, comment on peut faire? Est-ce que je pourrais repasser vous voir pour avoir un dédommagement? J'ai pas de valise, moi, ici, alors je sais pas. Mais ça vous dérange pas, je veux dire, si je fais un tour dans le camping et que j'en récupère une autre qui est pas à moi? Oui, bien sûr. Bien sûr, très bien. Bah, bon, ce que je fais, c'est que je prends la route dans la matinée, là, et j'arrive au camping, il reste encore un peu de monde? Bon, plus personne, non. Ah ben, c'est le désert. Bon, t'éclater au camping. Bon, de toute façon, je prends la route, je passe dans la journée récupérer une ou deux valises qui m'appartiennent pas. D'accord. Eh ben, je vous dis à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Je passerai vous faire la bise à l'accueil. Oui, oui, y a pas de problème. Gros bisous, ma belle. Au revoir. Ah, au revoir, merci le camping. Mais qu'il est fort. Quelques valises de récupérer. Vous avez entendu comme il est fort, t'as entendu Gwenaël comme il est fort. Ouais, super. Oh, oui. Bravo. Applaudis-moi. Bravo, Mano, bravo. Merci. Hey, what's up? Bonjour, Default. You're now listening to my homeboy, The Fool, early in the morning. Le morning de The Fool sur Skyrock.